Et coucou, on va faire un petit sketch aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de faire celui-là et j'en ai un autre. Mais lui, je pense que je ferai en live. Je voulais le faire aujourd'hui, mais il n'y avait personne. Alors, c'est pas grave. Je vais faire celui-là en live aujourd'hui. Pas en live, en vidéo avec vous. Alors, vous voyez, c'est pas, il n'est pas compliqué, il est simple hein, à faire. Hein. Je ne sais pas si je suis bien positionnée, je pense. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors après, je sais pas si. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, je pense qu'on est bien là au beurre comme ça. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà ce que ça va faire. Alors, on prend une base. Vous prenez la base que vous voulez. Et il faut un papier pour mater. Qu'on arrondit les deux coins là. Ça, c'est la base. Je ne sais jamais si c'est ça la base ou si c'est ça. Non, ça c'est la base. Ça c'est le papier de matage. Après, on met deux ronds. On met deux tags. Et on met des fleurs. Puis après, on fait comme on veut. Voilà. Moi, je vais scraper avec vous. Alors, je vais prendre du papier de base. Je vais prendre du papier. Je vais prendre du papier, je vais prendre du papier noir. Ouais, je vais prendre du noir. Alors, c'est dans les blocs de chez Action. Prenez vos chutes à moi, voyez, je le prends parce qu'il est abîmé là. Vous voyez, il est abîmé là. Alors, du coup, je le prends. Je vais couper. Alors, après, je ne sais pas combien je vais prendre de. Je pense que je vais prendre de la longueur comme ça. C'est un matage. Je vais prendre un rectangle. Allez, je vais prendre 13. Ouais, je vais prendre 13. Hop. 13. Je vais couper un petit peu là. Je vais vous dire combien je prends. Je ne sais pas parce que ma guillotine là, elle. Alors 21, mais du coup ça fait 21. Je vais couper à 20. 20 peut-être ça fait beaucoup, non? Ouais, je vais couper à 20. Alors, j'ai le monsieur qui vient installer ma cuisine qui est là. Qui est en train d'installer ma cuisine. Ça fait plus d'un mois. Voilà. Et ben, j'ai dit, tiens, je vais aller scraper. Hein, je n'ai rien à faire avec eux. Hein, ils sont. Mon mari l'aide. J'ai des chutes là, mais je crois que les chutes sont trop petites. Moi, j'aurais pu prendre une carte où on peut mettre des chutes quand même. Parce que j'en ai, hein. Ouais. Du coup, je pense que je vais changer. Ouais. Et parce que j'ai des chutes. Hein. Alors après, je sais pas. Est-ce que j'aurais laissé comme ça et. Qu'est-ce que je fais? Non, mais ça va être trop. Je vais prendre un bloc, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Mais alors, du tout. Je vais aller faire ça. Je vais prendre deux.
je vais prendre une page dans ce bloc-là. Je ne sais pas du tout lequel je vais prendre. J'aime bien le fleuri, là. Je ne sais pas si j'ai pas mis un morceau. Parce que j'ai déjà fait quelques... Bah voilà. Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas les mêmes fleurs, mais... Oui, je vais prendre celui-là. Parce que j'ai celui-là, mais... Non, je vais prendre celui-là. Je vais pas... On va pas se prendre la tête. Voilà. On va prendre celui-là. On va le couper. Je vais prendre mon massico que j'ai acheté chez Timu. Alors après, je vous assure que c'est pas de la grande qualité, hein, mais pour moi, ça me... Parce que les numéros en plus, vous voyez, j'ai les inches en là, parce que moi je suis droitière. J'ai les inches là et j'ai des centimètres en bas. Alors du coup, je me base en bas. Hein. C'est pas grave. Alors. Nous avons dit 13 et demi. J'ai dit 13 et demi ou 13. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. J'ai dit... J'ai dit 13. J'ai dit 13. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit mon truc là. Pourtant si. Bon. Alors, 13. Du coup, je vais faire 12 là. Oh. Ouais, je vais faire 12 pour qu'on voie bien le noir. Parce que figurez-vous. Que là, je sais pas si c'est un autre papier. Ça a l'air, hein? Ou alors on fait des traits autour. Mais moi, j'aurais bien aimé mettre un autre papier. Alors, je vais faire 12 et demi. Tac. Ouais, c'est bizarre, mon truc. Et 12 et demi, j'ai dit 12 et demi, ouais, et par, j'ai dit 20, par 19 et demi. Voilà, c'est bizarre, est-ce que je peux l'enlever et puis le mettre de l'autre côté? Je peux pas, hein. Non, non. C'est mis à l'envers. Bon, après, il n'y a rien de... Mais bon, c'est bizarre. Alors, j'ai dit... J'ai dit 12 et demi. C'est bon. Ouais, ça fera comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est très joli comme ça. Et je vais en prendre un autre. Moi, ouais, je vais prendre un autre. Hein. L'autre fait... j'ai dit 12 et demi. Ben, l'autre, je vais faire... je ne sais pas. Je vais faire... 1 cm en moins. Je vais faire... là, j'ai mis 12 et demi. On voit bien. C'est le... Oui. Voilà, comme ça. L'autre, je vais faire pour qu'on voie au moins. Je vais faire 10. Est-ce que j'ai 10 là? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah, bah si, j'ai 10. Bah, je vais mettre de celle-là. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai peut-être autre chose hein, en 10. Parce que dans mes chutes là. Là, est-ce que j'ai 10 là? Ouais, j'ai 10. Ouais, ça va faire chouette.
Ouais, j'ai 10. Vous voyez? Si je le mets comme ça. Alors, je vais mettre. Je vais mettre. J'ai mis combien? J'ai mis 19 là. Je ne me rappelle plus, vous voyez, comme quoi. J'ai mis 19,5. Là, je vais mettre 18. Hop. Voilà, je mets 18. Mais ça me fait travailler à l'envers, voyez. Voilà, ça fera comme ça, comme ça. Ouais, ça fera fleuri, mais c'est pas grave. Hein. Comme ça. Ouais, ça fera très fleuri. Hein. Je vais couper mes. Arrondir mes angles. Moi, ouais, j'aime bien comme ça. Je vous fais cette vidéo, mais ça se trouve, elle sera même pas publiée parce que voilà. Je sais pas si elle va être bien. Si, elle est, si vous la voyez, c'est parce qu'elle est bien. Elle me convient. Celle-là, ça me plaît moins. Il faudrait peut-être pas que je mette du fleuri. J'ai combien là? J'ai 10 nuls. Je vais couper 18,5 pour voir. Oh, j'ai bougé. J'ai bougé, alors il est pas droit mon truc. Ah bah si. Hop. Voyons voir. Je vais arrondir là et là. Je vais peut-être enlever un tout petit peu de là. J'ai enlevé, je vais mettre à 12. Ouais, vous voyez, j'ai pas de puissance pour. Je sais pas si ça s'enlève. Et si je peux le mettre de l'autre sens. Mais ça va pas tomber comme il faut. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Bon, c'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Allez. Il faut que je m'habitue. Il faut que je m'habitue. Et du coup, ben, je vais aussi couper un tout petit peu là. J'ai trouvé que bah voilà. Il faut que je m'habitue à le couper en bas. Ouais, c'est mieux comme ça. Celui-là comme ça. Pareil, j'ai coupé un tout petit peu. Alors du coup, j'ai mis. Je vais mettre à 18. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Allez, je arrondis mes angles. Hop, je coupe, je vais mettre par là. J'arrondis mes angles. Alors, j'ai un truc là pour arrondir mes angles. Alors, celui-là, je vais l'arrondir comme ça. Avec ça fait pas des croûtes de déco. Je vais essayer avec l'autre perforatrice. J'essaie avec une autre perforatrice que j'ai. J'essaie avec celle-là. Ça enlève un tout petit peu plus, vous voyez, ouais, c'est plus joli. Hop, ça fera comme ça. Celle-là,
pareil, j'enlève avec celle-là. Ça fera comme ça. Ça fait très joli, j'aime beaucoup. Après, je sais pas si vous voyez assez, hein, j'espère. Hein. Alors après, on va mettre les deux tags. Alors, j'ai pas coupé les tags. Alors, me voilà revenu. J'ai fait mes deux découpes de tags. Mais voyez, je pense que ça, c'était un papier de fond parce que le tag il dépasse. Moi, je vais faire comme ça. Je vais faire jusqu'au noir, comme ça. C'est dommage, parce qu'on ne va pas le voir beaucoup parce que comme il faut deux ronds, voyez, il faut deux ronds là. On ne va pas le voir beaucoup, mon tag. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'aurais dû faire une grande, je sais pas. Ou alors, il faut que je le colle sur une base plus grande. Comme j'ai fait, attendez, j'ai fait quoi? Comme 13,5. Ouais, 13,5 j'ai fait. Pardon. Alors, 13,5, je crois que j'ai fait. Ouais, j'ai fait 13. Et bien, si je fais 15, si je fais 15, je vais pouvoir faire une base, vous voyez, une base de 15. Je vais le faire, ça fait comme ça. Là, je vais faire une base de 15 et puis 15 sur 22. Allez, je vais faire ma base. Moi, je vais rester comme ça et puis on verra. 15 sur 22, je vais faire quoi comme base? Du rose? J'ai envie de mettre du rose pour la remettre en... Alors, je vais prendre une feuille là, je vais voir ce que j'ai. C'est là, les bijoux. Non, mais je vais prendre une feuille nue. Je vais prendre une feuille nue, une feuille de base. Rose. Est-ce que j'ai du rose? Parce qu'avec mes petits enfants, du rose. Non, j'ai du bordeaux, j'ai des machins, mais j'ai pas de rose. Alors, rose. Une base de rose ici. Ouais, c'est une vidéo cafouille, mais c'est pas grave. J'ai du violet, c'est pas bon. Sinon, il y a du beige. Ouais, c'est beige, c'est joli aussi. Et celle-là, avec quelle couleur? Non. Ben, je crois que je vais partir sur du... J'ai pas beaucoup de cardstock. J'ai pas beaucoup de cardstock de couleur. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, peut-être là. Hop. Ouais, dans celui-là, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai du blanc. Blanc cassé, j'ai du, qu'est-ce que j'ai? J'ai rose comme ça, c'est criard, non? Oh, ça change, hein? Ça change. Alors, nous avons dit 22.
sur 15. Ça va être une carte simple, pas de double. Hop. Faites voir ce que ça donne, mon truc là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Est-ce que je ancre ou pas? Je sais pas. Après, je vais mettre comme ça, à peu près. Hein. C'est juste pour vous montrer. Après, on verra. Et comme ça. C'est juste pour voir, parce qu'après, je coupe. Hein. Je ne vais pas les superposer. Comme ça. Je vais mettre ça comme ceci. Et je vais mettre ceci comme cela. C'est très fleuri. Hein? Ça change? Ouais, c'est pas mal. C'est un peu du criard, tout. Non, mais je vais le laisser comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Après, je vais mettre des fleurs, là. Ouais, je vais mettre comme ça. Je vais tout coller et je reviens vers vous. Me voilà revenue avec vous. J'ai collé tous mes papiers. Là, je suis en train de mettre en 3D, parce que je vais le mettre en 3D, lui. Je sais pas, je vais le mettre comme ça. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Bon, il ne faut pas que je touche de trop parce que vous voyez, la colle, elle est encore... Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne par rapport à mon sketch. Vous voyez, mon sketch est comme ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, après, j'ai le fuchsia, là, qui... Mais il fallait mettre une couleur qui tranche. Et voilà, moi, j'aime bien. Alors, du coup, je sais pas si je vais mettre des fleurs comme ça, mais je pense que je vais mettre des fleurs comme ça. Je pense. Je sais pas si je vais mettre mes petits... J'aime bien comme ça. Hop. J'en mets un en bas pour faire pareil. Voilà, j'ai ça, alors pourquoi pas s'en servir. Voilà, hop, toi t'es mal mis. Hop, et hop. Voilà, comme ça. Je vais mettre une fleur. Il faut mettre des fleurs là. Et des fleurs là. Alors, je sais pas, je vais peut-être mettre une brillante. Comme ça, avec des feuillages qui collent déjà. Voilà. N'est pas mal. Je vais prendre une rose en bas. Avec un petit papillon. Un petit papillon. Hein. Hop. Le mettre comme ça par-dessus. Ouais. Hop. Après, c'est des die-cuts de que j'ai eu, je crois, chez Zeman, ceux-là. Je me dis que bah, faut bien s'en servir. Hein. Il faut bien s'en servir de tout ce qu'on a. Alors là, il ne faut pas trop cacher. C'est plus vers le... Alors attendez, hop, je décolle de là. Je vais la mettre là.
Je vais mettre comme ça. Hop. Et celle-là, je vais la mettre. Je vais mettre comme ça. Voilà. J'aime bien comme ça. On va mettre les petites comme ceci. Toutes mignonnes, comme dit Angie. Moi, je fais comme ça. Après, chacune fait comme il l'entend. Voilà, comme ça. Bon. J'ai mon mari qui est venu me voir parce qu'il avait perdu sa pince. Il croyait que c'était moi qui l'avais débarrassé de la table. Et non, je ne touche pas à ses affaires parce que vous savez comment sont les hommes. Hein. Voilà, puis j'arrête là, hein, dans mes fleurs. C'est pas mal, hein, déjà. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal dans le... dans la création. Ouais. J'aime bien. Bon, c'est un peu trop fleuri, mais ça me correspond. J'aime bien les fleurs. J'ai mis ça parce que, bah voilà, il faut bien s'en débarrasser, hein, un moment ou un autre. On les a dans nos affaires. Et il faut bien les... hein, faut bien s'en débarrasser. Qu'est-ce que je fais? Je la mets, elle aussi, parce que sinon, bah, elle va aller à la poubelle, hein. Et c'est pas le but. On n'achète pas pour mettre à la poubelle. Hop, allez. Et voilà. J'ai massé. Bon, elle est un peu grande, mais dans une enveloppe craft, c'est très bien. Voilà, ça ira chez une copinette. Quand, je sais pas, mais ça ira chez une copinette. Après, je mettrai mon sentiment là, ou là, ou là, voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Scrapez bien. Et bah, la vie est belle. Ciao, ciao, ciao.